Ils haïssent les riches au point d'en manger leur chair. Cette vidéo a immortalisé en 1993 le moment de l'arrestation du gang le plus effroyable de la Corée du Sud, un groupe criminel endoctriné au nombre de 8 qui avait fait régner la terreur pendant les années 90 sur les riches de la capitale sud-coréenne, Séoul. Kidnapping, viol, meurtre, cannibalisme, partant ensemble à la découverte du gang qui a renoncé à son humanité pour éliminer les riches. Kim Ji-hwan est né au sein d'une famille pauvre, mais malgré le manque de moyens, il était toujours premier de sa classe, mais aussi il était premier à l'échelle régionale dans le Go ou le Baduk, qui est un jeu de stratégie abstrait joué par deux joueurs. Le but du jeu est d'entourer plus de territoire que l'adversaire. Mais à l'âge de 13 ans, Wan commence à sécher les cours et à manquer plusieurs jours d'école à cause des problèmes financiers de sa famille et des nombreuses dettes de son père. Mais la situation commençait sérieusement à s'aggraver puisque le père peinait même à nourrir sa famille, voyant que ses parents restaient sans rien manger pour mettre de côté l'argent de l'autobus scolaire. Et comme il est l'aîné de ses parents, il décide de quitter définitivement le collège pour se consacrer au monde du travail. Juan travaillait dans des petits boulots dans son petit village mais ne gagnait presque rien. Alors un jour son ami lui a conseillé de quitter le village s'il voulait gagner correctement sa vie. Alors il déménage à Busan, très vite il trouve un travail dans une usine de chaussures. Le jour il travaille à l'usine, la nuit comme agent de sécurité, et en fin de chaque mois il envoyait quelques billets à sa mère. Après quelques années passées à Busan, Wan décide de la quitter pour Séoul. Il s'aventure dans la capitale de la Corée du Sud dans le but d'apprendre un travail manuel et surtout dans l'espoir de trouver un avenir meilleur. La haine des riches a germé dans le cœur de Wan le jour où un scandale sur la corruption dans les examens d'entrée à l'université de Séoul a éclaté au grand jour. Un scandale qui ressemble grandement à celui de 2017, qui a éclaté dans la prestigieuse université féminine sud-coréenne Ewha à Séoul, qui a fait l'objet d'enquêtes sur un scandale de corruption d'une proche de l'ancienne présidente Park Hye, qui a usé de son influence pour faire admettre sa fille à l'université et modifier ses notes de lycée. Un scandale qui a mené à la destitution de la présidente du pays. Juan a sombré dans la délinquance, mais par principe, il ne volait et n'agressait que les gens fortunés. Il avait tant de haine envers sa société et envers le système sud-coréen en général qui enrichit les riches et qui appauvrit les pauvres. Il était tellement rancunier contre eux qu'il ferait n'importe quoi pour les éliminer. Au cours de l'été 1993, Kim rencontre deux anciens détenus, Moon Sang-rok, 23 ans, et Kim Yoo-yang, 22 ans, lors d'une partie de poker. Au fil de la discussion, Wan a exprimé sa haine contre les riches et son rêve de tous les massacrer, ce que les deux autres ont approuvé. Au cours des semaines qui suivent, les trois amis partent voir sur les chantiers de construction les travailleurs pour les persuader de se joindre à eux. Wan a réussi à convaincre deux reprises de justice, Kang Dong-wan et Big Byung-ok, mais pas que, puisque son discours anti-riche a convaincu deux adolescents de 17 ans, Song Bong et Kang Mon-sob, deux garçons avec un casier judiciaire vierge. Plus tard, une fille de 23 ans qui s'appelle Lee Kyung-sok rejoint elle aussi la bande totalement aveuglée par la doctrine de Wan. Ils étaient tous très jeunes et partageaient tous la même idéologie empestée et empoisonnée contre les riches. Juan avait initialement nommé sa bande le Mascal. Les 8 membres ont rassemblé toutes leurs finances. L'argent a été utilisé pour acheter 2 véhicules, des talkie-walkie, 17 armes dont 6 fusils, un pistolet, une mitraillette, une épée militaire, un aiguillon électrique et de la dynamite.
Ils ont également fourni une petite installation d'incinération et avec l'argent qui restait, Juan a ajouté 3 cellules de prison à son sous-sol. Leur objectif était de rassembler 1 milliard de won par enlèvement et extorsion sur les riches. La famille Shijun avait une étrange façon de déterminer qui sont leurs victimes riches potentielles. Dans les années 90, la Hyundai Grandeur était considérée comme un véhicule réservé aux riches. Par conséquent, quiconque possédant lesdits véhicules serait la prochaine cible du gang. Le couple Daniel et Lee Jansu ont été kidnappés à un faux barrage dressé par la famille Shijun. Lorsqu'ils ont ensuite demandé au couple de leur fournir une grosse somme d'argent, le couple leur avait dit qu'ils n'en avaient pas et qu'ils sont mais très loin d'être des gens fortunés et que leur voiture n'est qu'un modèle d'occasion et contrefait. Déçus, les 7 membres ont violé à tour de rôle la jeune fille. Ensuite, ils ont fait boire une grande quantité d'alcool à Daniel au point d'en perdre connaissance. Juan a ensuite ordonné à Lee de lui mettre un sac en plastique sur sa tête et de l'étrangler. La pauvre fille a refusé de tuer son copain, mais un des membres s'est levé et lui a pris la main avec la sienne. Les supplications et les pleurs de Lee n'ont servi à rien. Daniel est mort étouffé. Pour se débarrasser du corps, les membres l'ont attaché dans le siège conducteur de sa voiture, ensuite ils l'ont poussé du haut d'une falaise. Lorsque les autorités ont découvert le cadavre 6 heures plus tard, elles ont supposé qu'il s'agissait d'un accident compte tenu des traces d'alcool trouvées dans le sang ainsi que les cheveux de la victime. Une semaine s'écoule, la famille Shijun kidnappe un vieux couple marié qui possède également une Hyundai. Cette fois, ils ont demandé au mari une rançon de 100 millions de won en espèces. Le mari n'avait pas une telle somme d'argent dans son compte bancaire, mais pour sauver sa vie et celle de sa femme, il a promis au groupe qu'il pourrait trouver et collecter la somme d'argent demandée s'il lui laisse de contacter ses proches. Juan a libéré le vieil homme, mais avant de partir, ils l'ont averti de ne pas se présenter à la police car cela conduirait à la mort de sa femme. L'homme a suivi à la lettre les instructions de Juan et est revenu sans signaler l'incident à la police. Mais ce qu'il fallait savoir sur cette bande est que peu importe combien les proches et la famille des victimes donnent en rançon, les victimes n'ont jamais été libérées. Car et après avoir collecté l'énorme rançon, la bande tue et mange la chair des victimes. Et c'est ce qui s'est passé avec le vieux couple. Encore une fois, ils ont donné l'arme à Lee Jun. Au début, la fille a refusé, mais un membre du gang lui a mis une arme à la main et l'a pointée de force sur le couple. Il a ensuite poussé son doigt, ce qui a appuyé sur la gâchette. Le couple meurt sur le coup. Fallait maintenant trouver un moyen de se débarrasser des 2 cadavres. Juan a eu l'idée d'organiser un barbecue. Il a découpé les cadavres en petits morceaux et ensuite ils ont accompagné les morceaux avec différentes sauces sud-coréennes. Ils mangeaient la chair de leurs victimes avec un très grand délice. C'est après ce premier acte cannibale qui deviendra par la suite un rituel que Juan a nommé sa bande le Maskan, croyant qu'en mangeant la chair de leurs victimes, ils deviendraient invincibles et courageux. Cette bande deviendra en si peu de temps le premier ennemi des familles riches de Séoul. Pour ne plus faire d'erreur sur leurs potentielles victimes, Juan s'est rapproché d'un agent qui travaille dans le garage de Hyundai, un endroit réservé à l'élite coréenne, et il s'avère que cet agent partage la même haine des riches que la bande. Alors il a offert à Juan une liste où figurent les personnes qui fréquentent le plus l'endroit. L'agent ne savait pas à quoi allait servir exactement la liste entre les mains de la bande. Sur la liste figuraient environ 1200 noms
des clients les plus actifs du garage. Ses clients étaient en tête du classement de ceux qui utilisent des cartes de crédit pour payer leur achat. En somme, la famille Shijon a réussi enfin à obtenir les vrais noms des fortunés de Séoul. Chaque jour, une famille se présentait au commissariat pour signaler la disparition d'un frère, d'une sœur, d'un père. La police n'a malheureusement pas pu identifier la bande. Pendant ce temps, la famille Shijon continuait à kidnapper, à torturer, à violer ses victimes. Le 16 septembre 1994, le gang s'entraînait à lancer de la dynamite, prévoyant de libérer Kim Ji-young de prison. Kim Yoo-young et Lee Jong-soo ont été brûlés lors d'un entraînement et sont allés à l'hôpital, en compagnie de leur otage. Ce jour-là, Wan a commis une erreur en laissant entre les mains de son otage, donc de Lee Jong-soo, une somme de 5200 Woon entre ses mains et son propre téléphone portable. Dans la salle d'attente, Juan lui a dit « Si tu veux t'enfuir, fuis, fais-le ». Il avait trop confiance en lui au point de penser que même si elle essaye de s'enfuir, sa bande allait certainement la trouver. L'infirmière appelle Juan dans la pièce. C'est à ce moment que Lee a tenté le tout pour le tout. En quittant l'hôpital, la jeune fille n'a pas pris un taxi. Elle s'est dirigée vers un vignoble qui se trouve à quelques kilomètres de l'hôpital. Elle s'est cachée toute la nuit dans le vignoble. Ensuite, elle a appelé une voiture de location. Elle s'est cachée dans un hôtel. Et c'est qu'après l'écoulement de quelques jours qu'elle s'est présentée au poste de police. La police n'a pas cru aux paroles de Lee. Ils croyaient qu'elle était sous l'effet de la drogue. Ils lui ont même fait un examen pour détecter s'il y avait des traces d'aiguilles hypodermiques, mais ils n'ont rien trouvé. L'enquêteur criminel en chef, Gu Byung-chun, s'est rendu compte que Lee Jong-soo parlait du couple marié disparu. Une affaire que la police n'a pas divulguée aux journalistes ni au grand public. C'est à partir de ce moment que l'enquête a été ouverte. La famille Shijon a été reconnue coupable de meurtre et a été condamnée pour le meurtre de 5 personnes. Au cours de leur interrogatoire, Wan a admis avoir mangé la chair d'une victime après l'avoir démembrée. Bien évidemment, il n'était pas le seul à pratiquer le cannibalisme. Le plus étonnant dans l'histoire, c'est que, au cours de leur procès, la famille des tueurs en série n'en est à aucun moment montré de remords ou de regrets pour les atrocités qu'ils ont fait subir à leurs victimes. Cependant, ils ont un seul regret, c'est de ne pas avoir tué encore plus de victimes et mangé encore plus de chair humaine.